Bonjour à tous et à toutes, je suis Luc et bienvenue pour le dernier procès du dernier chapitre de Apollo Justice Ace Attorney. C'est déjà la fin, c'est un peu triste, je tiens à le dire, mais c'est comme ça. Après 2 heures, vraiment 2 heures de succession de révélations d'histoire sur énormément de détails sur la famille Grimoire, sur Phoenix Wright, sur Gavin, sur Monsieur Monin et sa fille, et d'autres choses encore. Je vous invite vraiment à regarder ça, pépère, ça dure 2 heures, c'est un petit peu long, mais imaginez que c'est une série policière, c'est plus important. Le Mazen System nous a révélé tout ce que nous voulions savoir pour terminer cette affaire et pour terminer ce qu'il s'est passé il y a 7 ans. C'est parti. Là, nous sommes dans le présent. Donc, Monsieur Justice est là. Justice, qui révélation. Et sœur, avec vérité. Voilà. Comment, pourquoi, je vous laisse deviner. Oui, merci, Kevin. Ah, Apollo est au courant de tout. Comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais oui. Je ne suis pas d'accord. C'est faux, madame la juge. Pas possible. Mais faux, c'est faux, mais c'est faux, Gavin. Et puis il est tombé par terre. Mais bien sûr. Ah bah. Hey. T'es caté. Déjà, on va montrer comment. Ce qui est le plus important. Exactement. On a utilisé un simple vernis à ongles. Oui, il y a le vernis à ongles. Ah bon. Ça va, gamin? Tu me... Je m'en pas l'air bien. Oh là là. Ce juge là. Ce juge tellement premier degré. Elle se mordait les ongles. Rongeait, c'est pas pareil. C'est presque pareil.
Ah bah oui, monsieur. Et justement. Ah, il le sait. Non. Il est foutu. Il est foutu. Ah oui, je joue toute ma vie. Parfait. Enfin, un bon paquet de ma vie. Et bien, c'est simple. C'est Christophe. Oui, monsieur. Justement, je le sais mieux que quiconque. Ah, c'est ce que vous croyez. Eh ben. Comme ça d'un coup. D'accord, très bien. Eh ben, dis donc. Waouh. Que de répartie. Ah là là. C'est triste. Non, la musique. Non. Ah, la musique! Au secours! Je ne sais pas. Ah ça, je pense savoir.
pense savoir. Je peux même utiliser le bracelet. Oh, comme c'est horrible. Horrible. Je dirais que c'est là que je devrais utiliser le El Famoso pouvoir de l'œil. Oh, on voit dans ses yeux. Oh, c'est pas mal. Ouais, c'est quoi ça? Cicatrice. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Tiens donc, petite crispation. Petite crispation, monsieur Christophe. Ah oui, ça c'était vraiment un coup de maître. Le fameux timbre commémoratif. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, ouais. Ah bah oui. Dans les dents. Moment de silence. Joie bonheur. Je pense. Je rappelle qu'à la base, c'était censé être une simulation pour un nouveau type de juge. Hein. Voilà, je le rappelle. Hein. Merci pour la musique, j'en pouvais plus. Oh mon dieu, c'est une ravelle, c'est un tournement de situation.
Ah, le mobile, vite! Bon, bah, évidemment, là, bah, je connais le mobile. Évidemment, mais il est évident. Cette preuve, c'était celle-ci, la page de carnet écrite à la main, falsifiée. Évidemment. C'est beau? Non, absolument pas, mais j'aime beaucoup. Ouais, c'est ça. Et donc, quel est le problème? Oh mon Dieu, je n'y avais pas pensé, mais c'est faux! Eh oui, le temps. Révélation. Ah mon Dieu. Je suis pas d'accord. Vous mentez. Objection.
J'ai pas la carte. Pas mal. Alors, quel est-elle-t-il à votre avis? Quel est-elle-t-il? C'est encore une preuve falsifiée, évidemment. C'était donc ça. Ce plan à la fin, c'était pour ça. Comment ça? Mais non! C'est pas juste. C'est triste. Non, le dieu, une révélation. Super. La musique va planter. J'aime ça. Merci, Gavin. Super.
Ah mon Dieu! Cette révélation! Christophe a manipulé son frère! Ah, le moment fatidique de la révélation.
Ce serait pas étonnant qu'il était au courant. Ce serait pas étonnant du tout. Oh, c'est palpitant, je suis dedans, subjugué. Tout a été résumé. 2 heures de jeu de la dernière fois qui ont été résumées en à peine une dizaine de minutes. Et voilà comment ça s'est terminé. Oh non, un deuxième retournement de situation! Waouh!
Voilà, c'est ça. À la base, on est juste venu pour ça. À la base. C'est pas bien de dire ça, mon petit. Incroyable. Alors, je pense cependant que je vais faire une supposition. Je pense que là, il va se passer deux choses. Si j'ai un choix à faire ou pas, parce que je pense que ça va être ça. Une caméra? Oh, waouh! Révélation. Oh, c'est beau. Ah, alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? On ne saura jamais. Ah si. Alors, est-elle non coupable ou est-elle coupable? Partons du principe que non coupable est la bonne fin.
Évidemment. J'en étais presque sûr. Donc, bonne fin, non coupable, je le rappelle. C'est marrant. Je m'en serais douté.
C'est pour ça que ça me disait un truc, la photo. C'est pour ça. Là. Incroyable. Incroyable. La Mirror était Thalassa Grimoire. Waouh. Waouh. J'en reviens pas. Oh là 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 là, oh là là. Ah, quel jeu, quel jeu! Waouh! Alors là, je suis sur le cul. Y a pas d'autre mot, je suis sur le cul. Donc, si j'ai, je vais essayer de tout résumer. La première affaire est reliée à Grimoire. Là, par contre, la trollée est en train de tout faire ramer. La seconde affaire, que je ne me trompe pas, n'avait aucun lien, étrangement, aucun lien du tout. Mais la troisième affaire, savoir que la Mirror était en fait la mère. La mère, donc Thalassa Grimoire, ça je ne m'y attendais pas. Et pourtant, quand j'ai vu la photo, je soupçonnais d'avoir déjà vu la personne. Puis alors je ne sais pas quoi mettre en miniature parce qu'il y a tellement de possibilités là. Waouh. Pouah, je suis. Ça reste un bon épisode cependant. Je dirais que actuellement, ah, est-ce qu'il passerait numéro 2 quand même? Je le mettrais numéro 2 à la place de Justice for All. Le premier resterait Trials and Tribulations, mais de très très loin. Je vous laisse lire les dialogues aussi pendant que je discute. Le jeu dans l'ensemble, on va parler un petit peu du jeu. Il a une bonne durée de vie, ça y a pas à hésiter, c'est vraiment un bon essai d'en. La première affaire était sympa, la deuxième un petit peu compliquée, mais c'est normal, on rentre dans la difficulté dessus. La troisième est pas mal saucée, la quatrième par contre est beaucoup beaucoup complexe parce qu'il y a beaucoup beaucoup de zones d'ombre. Mais avec l'explication du Mazen System. Et en plus, la révélation à la toute fin. Je pense que c'est fou. C'est fou. Je sais pas, c'est.
Après, il y a quelques légers défauts, ça arrive. Parce que il y a quand même un enchaînement à chaque fois d'événements à connaître pour débloquer la suite. C'est certes un petit peu moins compliqué que Trials and Tribulations, mais ça reste quand même pas ouf. Ça reste pas ouf, oui. Je pense que. Allez, sur 20. Ouais, 10, 17, ça me paraît pas mal. 17, ouais. Ouais. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Bon, pour l'instant, tout n'a pas planté. Je ne sais pas si le fait de voter non coupable, enfin de voter coupable plutôt, a une influence sur la fin. Je vais le faire de mon côté et je vous invite à essayer ça si jamais vous avez la possibilité de mettre la main dessus. Ça se trouve, ça ne va rien changer. C'est peut-être le cas. Mais reste à voir. Ça reste à voir, ouais. Bravo à toute l'équipe de création du jeu qui ont imaginé les histoires et les intrigues. Ouais, tout un enchaînement, une histoire, les preuves à trouver, des explications. C'est vraiment un travail, je pense, assez gros. Et je m'en rends sûrement pas compte. Ah, la Mirror. Eh ben là oui. Là elle ressemble à Thalassa. Là oui, là je suis d'accord. Ce qui est un peu triste par contre, c'est que le pouvoir d'Apollo, en fait, c'est juste une histoire de réaction thermique avec son bracelet. Ça reste un truc sympa, mais pour que le bracelet on va dire thermodynamique, c'est peut-être pas le bon mot, et qu'il réagisse à la personne, faut quand même qu'il soit assez près, je trouve. Donc je sais pas si c'est une bonne chose. Est-ce que c'est pas trop dangereux de faire ça? Peut-être que, ah si, ça aura peut-être une influence sur le dialogue de fin. J'ai choisi coupable. Je sais pas. Terminé, peut-être, oui, non, ouais, ça reset, c'est terminé, le jeu est fini. Voilà, alors je vais pas recommencer, mais je pense que ça ne, ah bah là le jeu a failli planter. Donc là j'ai tout terminé. Aussi un des défauts, c'est que bon, il y a pas d'image, donc c'est moche, c'est fade, peut-être que c'est l'émulation qui a merdé, je ne sais pas.
Bref, merci à tous et à toutes d'avoir suivi Apollo Justice Ace Attorney. C'était un gros morceau. C'était un Ace Attorney très intéressant, très fun, avec une un épisode final qui est plus ambitieux que tout se réunit, que celui du 3. Et vraiment, faites-le. Je pense pas à l'heure actuelle que je vais enchaîner sur le cinquième, qui est Dual Destinies. Je sais si, je crois qu'il doit y avoir une version française quelque part ou un patch. Je pense que je ne vais pas enchaîner juste après. Je vais enchaîner avec un petit peu de Breath of Fire et puis on verra par la suite. Ou je trouverai bien un petit jeu comme ça intéressant ou fun à jouer pour moi. Nous verrons bien, peut-être un autre visual novel, je ne sais pas. Bref, restez connectés pour ne pas louper la suite. Abonnez-vous, pouce bleu, commente ton expérience si jamais tu l'as fait. Via Twitter. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour un nouveau petit jeu sur peut-être Ace Attorney ou autre chose, je ne sais pas. Thank you.